armées. Ils ont traîné. Mais je n'ai pas peur. Et vous ne devriez pas non plus. Il a certes du matériel, mais il manque de talent. Nous n'en manquons pas. Nous avons la discipline, l'ordre, et surtout, la passion. Nous y croyons. Alors restez vigilants, économisez vos munitions, assurez vos lignes de tir, et par-dessus tout, soldats, ne tirez pas avant de voir le blanc de leurs yeux.
fais ça? Pour protéger Adams et Hancock, et ceux qu'ils servent. Vous vouliez les tuer. Les tuer? Vous êtes fous. Je voulais négocier. Il y a tant de choses à dire, à expliquer. Mais il est trop tard désormais. Si vous dites vrai, je leur transmettrai vos ultimes paroles. Ils doivent déposer les armes. Ils doivent cesser cette guerre. Pourquoi eux, et pas les Anglais? Nous avons déjà fait la même demande aux Anglais. Ces choses prennent du temps. Et cela aurait marché si j'avais pu jouer mon rôle. Si vous aviez pu les manipuler... Mieux vaut que ce soit nous qui tirions les ficelles. Non, il faut trancher les ficelles. Le peuple doit être libre. Et nous devrions tous vivre dans le pays de nos songes. Tu manies ta lame comme un homme, mais tu parles comme un enfant. Et d'autres vont mourir par ta faute. Disparaissez, allez, aidez les autres à lever le camp! Et ne recommencez jamais ça, compris? Nom de Dieu! Général Putnam. Vous êtes en vie? On ne peut pas en dire autant depuis Kern. Je devrais vous féliciter. Mais cela n'importe plus guère. J'ordonne le repli. Nous perdons trop d'hommes pour si peu ici. Si les Tories tiennent tant à cette colline, je leur laisse. Pour Boston, nous mourrons. Peut-être même avant ça. Que voulez-vous dire? J'arrive pas à le croire. Ils vont tenter de tuer Washington!